viendez tous voir la photo, venez, venez, n'ayez pas peur. Moi je l'ai pas vue, mais... Je verrai ça après, on va pas se déprimer tout de suite. Avoue, j'ai une tête à claque. Oh, je dirais pas ça comme ça, mais... mais oui, t'es pénible à force. Voilà, je vais m'excuser. Excuse-moi, Gunther. Je suis vraiment désolée, mon petit Gunther. Partager ses incertitudes. Amical. Complimenter la tenue. Viens, on va à l'intérieur, ça va casser mon brushing. Hop là. Tu devrais paramétrer Wisebot. Oui, c'est vrai, je devrais. Et tu veux pas venir, Gunther? Oh, il est pénible. Bah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour mettre un mec dans son pieu, quand même? Oh là. J'ai le dragué sous la pluie, quand même. Bon, après, c'est pour le tuer, soit. Oh bah, non, bah vas-y, protège-toi de la pluie, puis propose pas. Putain, je te jure. Aïe. Pour ça qu'il a pas d'amoureuse. Dis-toi que j'ai décidé de moins t'embêter. Là, c'est... Ouais, bah oui, bah si on te demande, n'hésite pas, hein. Pas plaisir, hein. Non, mais je comprends, il t'a demandé... Je suis désolée, Gunther, je voulais pas te brusquer, je pouvais pas savoir que t'étais encore puceau. Mais le pauvre Gunther, il est pas con, il sent que quelque chose se trame. Oh, elle peut faire un effort. C'est pas non plus... Hop, illuminer la journée. Amical, complimenter la tenue. On est super amis maintenant, Gunther, on peut peut-être passer à l'étape d'après, non? Complimenter l'apparence. Non, pas amical. Elle va faire pipi, va, je t'en prie. Non, parce que si tu te pisses dessus, après, tu seras pas du tout réceptif. Hein. Allez, vas-y, il y a des toilettes là-bas. Hein, c'est cadeau. N'hésite pas. Non, il veut pas y aller. Il veut pas y aller. Il est pas con. Il sent que... Tu vois, il y a Palkia Mercure qui dit que t'es magnifique. C'est qui Palkia Mercure? Petit conseil de meurtre, prendre plusieurs petites radios, 12, et laisse allumer quand les radios seront cassées. Une future victime, à force de réparer, va finir électrocutée. Ah, c'est pas con ça. Ça y est, il est à la toilette, Gunther. Magnifique. C'est moi. Ah, c'est toi, pardon. Je peux pas savoir, moi. Et merci, Julia, pour le follow. Merci beaucoup. J'ai vu les photos, désolée, t'es magnifique, bien sûr. J'ose pas cliquer sur le lien, j'ai très peur. Moi, je dois faire une sale gueule. J'ai l'habitude de tes screens, hein, tu me diras. Bon, Gunther, là, c'est pas tout, mais on peut peut-être... passer la seconde, là, j'ai pas toute la vie. Et merci Alex pour l'hébergement. J'ai pas toute ma vie, là. J'en ai 10 à faire après toi, Gunther. Ouh, excusez-moi. Oh, c'est ma petite allergie du soir. Merci, Fanny. T'as la bouche ouverte sur une des photos. Oh là là. Eh, Manilonk. Magnifique. Magnifique, j'ai hâte de voir ça. Et merci. Oh, les Gunther, là. On peut peut-être... Franchement, je pensais pas que ce serait si difficile de draguer, là. Draguer... Amour... Oh, attends, lui, il faut que je le prenne, je l'aime bien. Je sais, il est gay, mais c'est pas grave. Ouais. Marc, les deux sont pas mal, hein. On peut peut-être... Non, lui, il est mieux, quand même. Attends, Gunther, bouge pas. Présentation amicale. Je fais connaissance avec mes voisins. C'est pour la suite. Non, mais t'en vas pas. Il se barre. À tes souhaits. Non, c'est pas vrai. J'ai galéré à l'écrire. T'as été plus rapide. Ça y est, tu le connais. Ok, vas-y. Draguer. Non, te sauve pas, Gunther. Oh, il en peut plus, Gunther. Au bout de sa vie. Mais oui, vous êtes coincé dans les escaliers, bande de boulets.
de choix, amour, complimenter l'apparence. On va essayer quand même de l'enlacer. C'est sympa l'enlacer. Ça peut passer. Je peux faire un montage sur ta tête? Non. Ah, ça y est, il veut bien qu'on fasse un câlin. C'est bien. Ah, automode. Le blague, du coup, le gay n'est pas fidèle. Magnifique! Eh ben, il va finir dans le lit d'Inès et dans son caveau familial. Échanger les numéros de téléphone. Bon, ça va, ça fait 12 fois qu'on s'échange les numéros de téléphone. Là, on peut peut-être... Il m'a fait un beau bébé, pas mal. Bon, eh ben, ça tombe bien. Ça tombe bien, il va finir... Il est sur ma liste. Ça en fait déjà 3. Ok. Hop là. On va draguer. Bon, vous voulez pas dégager, là, Brent et Brett? C'est ça? Ouais, Brent et Brent. Allez, hop, dégagez, là. Rentrez chez vous. Je suis occupée, là. Les deux sont infidèles. Oh, bah voilà. Et au fait, ça va. J'étais un petit peu fatiguée cet après-midi, mais là, ça va. Non, mais j'ai dormi, ça allait mieux après. Hein. Bon, Gunther, on s'en avoir marre. Oh putain, on a perdu tout. Allez, vas-y, casse-toi, rentre chez ta mère. On parlera plus tard. Le Sims part déjà, très bien. Allez, casse-toi. De toute façon, il est 19h. Chose à faire, on va aller regarder la télé. Voilà. Alors, Marc, on peut peut-être regarder un film ensemble. Voilà, Massacre au clair de lune. Oh, c'est mignon. Regarde si tu peux lui proposer de vivre ensemble. Je crois pas. Vu comme on n'est pas très amis, je suis pas sûre. Hop là, plus de choix. Non, je peux pas, on n'est pas assez amis là. C'est pas grave, on va l'appeler, on tentera le coup demain. Le black fait de très moche bébé, bah faudrait savoir. Bah si, je l'ai expliqué Alex, mais comme t'arrivais à la bourre, tu sais pas. Donc en fait, le but c'est de faire 10 enfants avec 10 papas différents, sauf que la variante c'est qu'une fois qu'on sait qu'on est enceinte, il faut tuer le père. Et qu'est-ce qu'il y a avec son chihuahua, là, avec son bulldog, je sais pas quoi. Vas-y, mais viens avec ton chien, n'hésite pas. Hein. S'il fait sur mon tapis, ça va mal se terminer. Hein. Donc voilà, il faut que je tue les papas. Oh, ta mère. Bah oui. Désolée, je faisais pleuvoir des hommes. Tu fais pleuvoir des hommes, toi. Comment ça se fait? Brent a une mâchoire horrible. Ah merde. Bon, bah, on verra bien. Oh, j'aime bien ce challenge, ça m'étonne pas. Venant de toi, ça ne m'étonne pas. Mais... Bon, écoute, on va devenir amis déjà. On va gagner du temps. J'adore le réalisme, c'est de venir dans la maison avec son chien. Ouais, non, mais comme chez... C'est quand que tu couches avec, il faut conclure. Mais j'essaye. Mais tu vois bien, il veut pas. J'essaye, je tente ma chance, mais... Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit d'accord, quoi. C'est un peu le problème tout le temps. Oui, si, c'est 10 grossesses, ça compte pas. Si j'ai des jumeaux, le deuxième compte pas. Enfin, il compte pas dans les 10, quoi. Because it's raining man. Ah bah ouais, non, mais ça... Bah visiblement, c'est... pas chez moi, hein. Chez moi, it's raining que de la pluie, hein. Bon. Bon, excuse-moi, Brent, j'aimerais que tu rentres chez toi. Demandez de partir, merci. On va appeler Gunther. Hop là, discuter. On va discuter jusqu'à ce que ce soit plus l'heure de se parler. Comme ça, demain, je l'invite et on attaque. Il n'est pas farouche, Brent. Ah non, il n'a pas l'air. Mais déjà, je l'avais mis. Il avait une petite aventure avec ma Sim 7 quand j'avais testé le fleuriste. Excuse-moi, t'as oublié ton chien. Excuse-moi. Tu peux repartir. Il m'a laissé le chien, ce con. Non, bah vas-y, hein, fais comme chez toi. Hein. Putain, il m'a laissé le chien. J'ai découvert le clip.
J'aurais pas dû. Non! J'ai envie de faire pipi. Bah, fais-toi plaisir. Inès, c'était déjà déception pour pas que ses gosses le soient, c'est ça. Mais il faut aussi. Il faut... Oui, je sais, j'ai mis super parent. Voilà. Pauvre chien. Non, bah, écoute, il a pas l'air malheureux. Je vais pas le tuer non plus. C'est pas prévu. Bah, non, mais le gars, il s'est barré. Voilà, il a laissé le chien. Alors qu'il est sympa, il est mignon, hein. Il était spécial ce clip. Quel clip? Quel clip? Qu'est-ce que t'as fait encore? Pff, j'en ai marre de toi, Alex. J'en ai marre. Elle n'est donc pas prête du tout de conclure. J'ai l'impression que. J'ai l'impression. Non, mais. Je regarde même pas. Je veux pas regarder. Je veux pas regarder. C'est pas possible. Bon. Allez, tu vas aller te coucher. Ah, puis le chien, là, il va me pisser partout dans la maison. Tu veux pas rentrer chez toi, là? Le clip d'Experience Rayman. Ah, ah bah ça, c'est du clip, c'est du vieux clip. Oui, je suis un peu parano avec toi. Excuse-moi. Hein, Allez, macaroni au fromage, c'est la base. Mais oui, je suis parano. Avec toi, je sais plus. Puis je te rappelle que ma boule de cristal ce matin m'a dit de me méfier de quelqu'un dont le prénom commençait par A. Hein, comme toi, comme bizarrement comme Alexandre. J'ai pensé à toi tout de suite. Yeah, j'espère que tu vas aussi être schizo. Merci. Bah oui, je t'ai tagué dessus. Bon, ça c'est fait. Ouais, elle va aller dormir, demain est un autre jour. Allez. Et au lit. Allez, demain, Gunther, in the pocket, le Gunther. Si, si, je vous assure, je le sens bien. Après, une fois qu'elle sera enceinte, on aura 3 jours pour en trouver un suivant, et puis pour le tuer. En vrai, les gens schizo et trisotis, ça se voit pas qu'ils le sont. Ah bah, trisomique un peu, quand même. Enfin, t'as quand même des signes physiques, hein. Autiste, bon... Tu t'en rends compte rapidement. Schizo, effectivement, c'est pas ce qui se voit en premier. In the pocket, le Gunther. Ah bah ouais. C'est bon, là. C'est... On va pas y passer la nuit non plus. Mais autiste, t'as tellement de formes d'autisme différentes que... Tu peux pas trop... Schizo, ouais, c'est plus compliqué à voir. Hop, allez, un petit coup d'accélérateur là. Un petit pipi. Et on appelle Gunther. Ah oui, Inès est imprévisible. Ah oui, c'est vrai qu'elle est folle en plus. C'est vrai. Ah, mais on s'en rend pas compte forcément tout de suite. Hein. En plus, elle est tarée. Bon. Allez, Gunther. On douche. C'est de l'amour ici, je le sens dans cette maison et que ce nom turquoise. Ouais, voilà, c'est ça. Idée de mort, mourir de rire, dévoré par une plante vache, se faire brûler vif pendant une séance de sauna. Ah, voilà, ça c'est bon ça. Mais je pense qu'on va commencer par le plus simple, je pense qu'on va l'emmurer. Parce que tu vois, j'ai pas trop les sous pour acheter un sauna. Va falloir que je me mette à peindre. Hop là là, conversation profonde. On va pas tout de suite l'agresser. J'aurais dû prendre une douche en buée, tiens. Ah oui, c'est vrai que je peux aller au spa. Enfin, faut que j'en télécharge un. Hein.
Mais non, tu nous fais pas peur. La piscine et les murs, c'est la base. Ah bah ouais. Bon, la piscine, j'ai pas de sous, mais 4 murs, ça doit pouvoir s'arranger. Hein. Il suffit de... Ça n'a pas coûté trop cher de mettre 4 murs. Hein. Bon, ta douche, tu fais quoi, là? Tu te récures? Voilà, nickel. Oula, putain, quand tu passes dans la pièce, là, tu deviens blanche. On dirait Vladislaus. Allez, salut Gunther. Comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Complimenter l'apparence, on va y aller tranquille. Plus de choix. Draguer, et après on tentera un rapprochement, l'air de rien, à l'ancienne. Je dois peut-être avoir un chromosome en plus moi aussi. Je pense pas, tu le saurais. L'autisme, c'est un truc du bon mec. Oui. Bon, la drague, ça marche. Bon, il est blasé. T'as souvent des jolies filles comme ça qui te draguent, Gunther, pour être blasé. Alors, le rapprochement à l'ancienne, old school. Petit bâillement, l'air de rien. Ça marche bien. Plonger dans le regard. Je vais plonger dans ton regard, Gunther. Chuchoter des mots doux. Petit caressage de main. Ah, non, pas caressage de main. On va se détendre sur le caressage de main. Ah, non, c'est les mots doux non plus. Putain, c'est pas possible. Bon, alors, tu sais quoi? Prends une douche embuée. Détends-toi. Ouais, non, mais vas-y. Oh, le mec, il veut pas que je lui caresse la main. Par contre, il rentre dans la salle de bain pendant que je prends ma douche. C'est normal. Mort de chaud ou de froid, juste dehors, 4 murs sans toi. Oui, c'est ça. Tu lâches pas l'affaire avec la Dislos. Non, je lâche pas, je le garde de côté. Mort rapide à la bibliothèque, achète des feux d'artifice. Ensuite, la victime dans une pièce vide allume le feu d'artifice et se brûle. Ah, c'est bon ça. Je dois être un peu parano comme toi, Crime. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Bon, bah, le problème c'est que maintenant ils sont tous super embarrassés. Et il n'y a pas du tout enjôleur. Bon, on va devenir amis. Hein, je pense qu'on est, parti pour devenir super potes. Et tant qu'on sera pas super potes... T'as pas l'habitude, en fait, c'est ça. Plus de choix. Demander comment s'est passée la journée. Partager ses incertitudes. Faire connaissance. On va l'inviter à la maison, ce sera plus facile. Le mec, il fait son difficile. Non, mais c'est fou, ça, Morgane. Genre, Gunther, il fait son difficile. Inès, elle est quand même super canon, quoi. Enfin, je veux dire, elle est super jolie, elle est super bien faite. Tu peux pas faire ton difficile avec une fille comme ça. Putain. Bon, elle veut te tuer. Ok. Mais ça, c'est un détail. Ça compte pas. Non, on va pas y aller tout de suite. Complimenter la tenue. Ah, ça va, là, il est heureux, tout le monde est heureux. Offrir une rose. Alors, est-ce qu'une rose, tu veux bien que je t'offre une rose? Ah bah non, il veut pas. Regarde, une chambre d'enfant, tu veux pas faire un enfant? Ah oui, prendre une pose sexy. Ah, j'ai peur de faire fuir Gunther avec ça, mais c'est pas grave. Non, la rose d'abord. Bon, la rose, il la prend. Il a chaud, Gunther. Bon alors, Gunther. Bon, ça va, ça lui a plu à Gunther. Ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Peut-être, ouais, son instinct. Il n'est pas marié, il kiffe sa femme, il n'a pas de femme, Gunther. Il n'a personne. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est embarrassé déjà? Il est en joleur, profite. Il te drague et tout, putain. Premier baiser. Alors, attention. Premier baiser, ça marche. On est au taquet.
Attention Gunther. Voilà, nickel. Wouhou, GG Gunther. Bien joué. Allez, bah dis donc. C'est difficile, hein. Raconter une blague salace. Je sais pas si ça a passé. Embrasser les mains. Voilà, c'est bon, on est parti. Plus rien ne nous arrête. Hein, avec Don, le gosse déjà serait mort et Don mort. C'est clair. Avec Don, là, ce serait plié depuis hier soir, quoi. Magnifique. Faire crack crack. Youpi. Allez, faire un bébé avec Gunther. Gunther, ta fin est proche. Ah, puis il y a sa... Et sa mère qui passe derrière, c'est bien. Ah oui, alors cette pièce, il y a un vrai problème. Hein. Ils deviennent blanc fluo. On va laisser peser, oui. Oui, Duc. Non. C'est les Sims, tu vois. C'est pas... On s'emballe pas, hein. Quoique c'est plus chaud dans le placard. Je trouve que le jacuzzi et le placard, c'est quand même ce qui se fait... C'est un peu plus chaud que dans le lit, quand même. T'as pas pris de pisse mémère. Mais je bois pas de pisse mémère, moi, tu sais. Et non, j'ai ma tasse clochette et tout sale. C'est pas... Au moins, il va pas mourir puceau. C'est déjà ça. Faut voir le positif. Faut voir le positif. Allez, go dans le placard. Bah, il faut que j'achète un placard, alors. Parce que tu vois, dans la commode, c'est pas pratique. Dans la commode, c'est pas pratique. Et le jacuzzi, c'est pas donné. Ouah, le buisson, c'est pas très chaud, hein. Par une petite main aux fesses avant de démarrer. Sinon, c'est pas non plus... Bon. Allez, on va faire pipi. Fais un test de grossesse. Gunther te sauve pas, hein. Il va se barrer. Tu restes là. Ah, c'est tout fier de lui, quoi. Ah, putain, j'ai ramé, hein. Ouais. Allez, on va voir Gunther. Propose-lui d'emménager. Amical. Plus de choix. Demander de vivre ensemble. Gunther, je vais t'aménager un petit carré de folie. Bon, faut que je fasse une peinture d'abord parce que j'ai plus assez de sous. À moins qu'il m'amène de l'argent, mais j'ai des doutes. Allez, Gunther. Hop. Non, laisse tes frères. On va peut-être pas prendre toute la famille, c'est bon. Faudra penser à gagner des sous. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Sans argent, je peux pas tuer les... Je peux pas tuer les papas. Les derniers bits devraient être plus bas pour voir les notifs du jeu. Comme... J'ai pas compris, Alex. Ah oui, d'accord, si j'ai compris ça, là. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Ah, attendez. Pardon. Elle va où, elle? Pourquoi tu vas là-bas? Reviens voir Gunther. Alors. Donc, bien sûr... Oui, enregistre, merci. Merci. Heureusement que vous êtes là. Du coup, va faire une toile quand même, parce qu'on a besoin d'argent, les gars. Ah, elle peut pas. Pourquoi elle peut pas? Ah merde, on n'a même pas assez de sous pour peindre une toile. Attends, on va vendre un truc. Hein, pour... Allô? Oh bah tiens, quelle surprise! Ah non, j'ai vu que j'avais planté. Allez, va vendre ça. Du coup, on va gagner du temps. On va construire tout de suite la maison pour Gunther. Viens ici, Gunther. Comment je vais le faire venir par ici? Ah bah, je suis conne. Tu fais lui dire. Viens par ici, Gunther, viens. Non, je vais te montrer quelque chose. Le vampire, tu l'emménages avec, tu es extrêmement riche, il a un château, le mec. Ah ouais, c'est vrai. Ah mais Vladislaus, tu rames pour qu'il vienne. Hein. Bon, par contre, il est... Sa fin est au max, donc ça va durer 6 plombes et demi. Allez, viens dans le jardin. Hop, ne bouge plus. Ne bouge plus. Voilà. Regarde.
Ah oui, non, ça coûte cher. Ça va être un petit mur. Attends. Putain, j'ai pas assez de sous pour le mur, tu le crois? Ah, putain, j'ai pas assez de sous pour l'emmurer. Ah, bouge pas. On va faire une peinture. Toile classique, grande petite toile classique, on a dit au début. Ouais, c'est ça, rentrer à l'intérieur, Gunther. Remarque, je peux vendre le... Mais ça rapporte, ça. Ouais, ça rapporte pas grand-chose. Hein. Allez, vends le lit. De toute façon, on n'a pas de gosse pour l'instant. Voilà. Reviens par ici, Gunther. Et deuxième fois automode, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, avec la chance que t'as, tu vas faire coucou maman. Non, tu vas pas t'y mettre. Tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Ça commence à suffire, hein. Je ne suis pas votre mère. On peut pas créer des commandes nous-mêmes parce que si tu veux, je les fais. Je sais pas si tu peux créer des commandes. T'as bien dîné. Non, mais tu vas lui faire la blague tous les soirs en fait. Pourquoi tu construis pas un sous-sol? Ouf. Tu l'enfermes à la chambre. Pour Vlad, faut être best friend et après super amoureux, sinon ça marche pas. Oh bah la vache. Bonsoir les gens, ça fait 15 minutes que je suis là et j'ai même pas dit bonjour. Oh bah bravo. Bonjour Jeff. Tu m'es verrouillé à tous, sauf la... Crime, c'est la main de tout le monde. Super. Magnifique. Je suis ravie. Je suis ravie. Bon. Et bah voilà, 4 par 4. Nickel, la vie est belle. Voilà, c'est ta tombe. Allez, à plus Gunther. Toi tu peux aller manger par contre. Bon bah c'est pas grave, il va mourir là. Hein. De toute façon c'est fait. Hein. Servir le déjeuner si j'en ai marre de faire à bouffer. J'ai dit que je le ferais à tous les streams. La pauvre elle a plus venir à cause de toi. Tu fais des blagues pourries chaque fois qu'elle vient. Mais oui, elle va peindre, elle va peindre. Ah ben, elle n'a plus de sous. Oh putain, on est mal. Putain, on va vendre la déco, hein. On s'en fout de la déco, ça sert à rien. Voilà. Non, je dois pas attendre qu'il meure, normalement. Il n'y a pas de délai. Je peux le faire mourir, enfin, je peux faire tous les enfants à la chaîne, mais il faut que je tue le père. Enfin, en tout cas, mais bon, il y a pas, il va bien crever dans les 3 jours qui arrivent, quand même. C'est horrible ce jeu. Si on peut même avoir des triplés, Jeff. C'est horrible ce jeu, quand même. Sorti de son contexte, on va attendre qu'il meure pour avoir le bébé. Il va bien finir par crever. On peut passer au suivant. Elle n'a plus qu'à casser des cailloux. Par contre, ne bouge plus du terrain, sinon la faim augmente. Ah oui, je peux plus sortir. Bah, c'est pas grave, parce que du coup, j'ai plein d'amis dans mes amis. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait Dominique ou Brandt en premier? C'est horrible. C'est horrible. Même sortie du contexte, celle-là, elle est horrible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, je vous laisse choisir. C'est vous qui répondez. Le premier qui répond, Brandt ou Dominique. Oui, c'est ça. C'est un peu le principe de la veuve noire. Je vais faire boing boing, monsieur. Vladi. Non, Vladi, on va l'appeler, on va remonter notre amitié. Dominique, pas d'homme. Ah bah, décidez-vous, les gars. On va discuter avec Vladislaus pour monter notre barre d'amitié au taquet. Voilà. Ça me fait penser à notre dôme. Ah ouais, non. C'est pas le même genre, hein. C'est pas le même style, hein. Il faut faire 10 morts différentes. Oui, c'est 10 morts différentes. Donc là, j'ai utilisé la fin. Je pourrais plus m'en servir. Après, bon, quand... Oh bah, la classe. La classe à Dallas. Un petit pé bien vert. Après, il faudra que j'utilise bah, la noyade, brûlée, électrocutée, mort de froid. Enfin bref, bah, ça va devenir compliqué. Oh, 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 oh.